Bonjour, aujourd'hui je me prépare à changer la bougie sur ma tondeuse. J'en profite pour vous expliquer comment ajuster l'écartement de la bougie. Allez, travaille! Le rôle de la bougie est primordial dans le bon fonctionnement du moteur. Elle produit une étincelle qui enflamme le mélange air-essence, ce qui pousse le piston dans le cylindre. Une bougie trop usée ou n'ayant pas le bon écartement cause une mauvaise étincelle, ce qui nuit au bon fonctionnement du moteur. Il est donc important de changer la ou les bougies suivant les recommandations du fabricant. Aussi, il est important d'utiliser la bougie recommandée car elles n'ont pas tous le même filet, le même écartement et la même température. Utiliser une bougie autre que celle recommandée pourrait grandement endommager votre moteur. Pour l'écartement maintenant, toujours suivre les recommandations du fabricant. Vous devez ajuster l'écartement à l'épaisseur indiquée. Sur ma bougie, l'espacement est de 0,028. L'écartement est l'espace situé entre l'embout de la bougie ainsi que de l'électrode. Pour l'écartement, on insère l'outil entre l'embout et l'électrode. On tourne doucement jusqu'à l'ajustement désiré. Et voilà. L'ajustement ne doit pas être trop serré, comme ceci. Au cas où l'espace est trop grand, on peut simplement mettre une légère pression pour la refermer. Si au contraire l'espacement est trop petit, on insère l'embout dans l'outil et à l'aide d'une légère pression, on remonte le tout. Et voilà, c'est relativement simple d'ajuster un écartement sur une bougie. Allons l'installer maintenant. Une bougie ne devrait jamais être trop serrée. On doit d'abord la visser à la main jusqu'au fond pour ensuite tourner avec la douille d'un demi à deux tiers de tour. Avant d'installer la bougie, je m'assure de bien nettoyer l'entrée à l'aide d'un dégraisseur à moteur ou d'un nettoyeur à carburateur. On doit visser la bougie manuellement jusqu'au fond pour ensuite visser avec la douille un demi à deux tiers de tour, comme ceci, et voilà. Ensuite, on remet en place le fil et le tour est joué. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Mais surtout, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles.